Le féminisme vu par Alessandra Sublet semble passe difficilement chez celles et ceux qui ont fait de ce sujet un engagement. Dans l'émission Clic, l'ancienne animatrice télé devenue comédienne a opposé un discours féministe extrémiste et un féminisme d'Amazon qui ne serait pas les siens au fait d'aimer les hommes autant que les femmes et d'être pour l'égalité homme-femme. Dans l'extrait publié sur Instagram, elle exhorte également les femmes à prendre la parole, estimant que certaines attendraient d'être libérées plutôt que de se libérer elles-mêmes. Un point de vue qui fait polémique. En commentaire, plusieurs femmes pointent les privilèges économiques d'une femme qui ne risquerait pas grand-chose financièrement à dénoncer des abus sexistes, selon elles. Parmi les contradicteurs d'Alessandra Sublet, on trouve également l'écrivain, réalisateur et militant écologique Cyril Dion. Au secours. Moi, il m'est arrivé ça, dans ma vie de privilégié, et j'en tire des généralités sans aucune réflexion un peu systémique, ironise-t-il dans les commentaires de la publication de l'extrait de Clic, avant de s'adresser directement à la comédienne. Alessandra Sublet, pas féministe? Elle contre-attaque disons que quand tu connais aussi bien un sujet tu peux réserver tes brillantes analyses au café du commerce pour tes soirées entre potes, se désole Cyril Dion à la suite de son message au vitriol. Un commentaire qui n'est pas resté sans réponse. En effet, Alessandra Sublet elle-même a tenu à défendre son point de vue sur le féminisme. Ne vous déplaise mon cher, je m'exprime comme je l'entends et ne défends rien d'autre qu'une liberté totale d'être ce que l'on est et ce que l'on pense, écrit la comédienne actuellement sur scène avec son seul en scène Tous les risques n'auront pas la saveur du succès, visiblement agacée de l'attaque de Cyril Dion sur son discours. Libre à vous d'en juger, libre à moi de dire ce que je pense sans condition aucune. Salutations. Crédit photo, Coadic Guirec. Thank you.